Et re les gens! Et re bonsoir tout le monde! Et re bonsoir à tous! Et là c'est bien parce que c'est la première fois de la soirée où on peut dire bonsoir! Voilà, c'est le seul moment où c'est dans le contexte en fait. Très très bien, je suis Sushi Spiwi, voici Crazy! Tout à fait! Et on se retrouve donc final de cet arbre pro du tournoi. Tout. Dans la porte. Ah, ça commence bien! Ça commence en fanfare, le tournoi pour tous! Tout à fait! Deuxième édition organisée par Pink Ward avec en régie notre spécial guest Hackman LC2! Ouais! C'est le parcours de la finale de l'arbre pro! En BO3, que nous allons voir tout de suite. Qui oppose donc les MEZ au Justin Tibbers. Tout donc à fait. Qu'on a déjà commenté au fur et à mesure, au fil du tournoi. Bah exactement. First Banjax, Banjax encore. Ok, donc le Banjax, déjà, on ne veut pas de cette personne est-ce sur la top lane. Est-ce qu'on en a déjà vu un? Oui, on en a déjà vu un, je crois. On en a vu un et ça s'est et mal le terminé le blanc pour encore. Son adversaire. Voilà, le blanc pareil. Donc comme on voyait tout à l'heure, bah, ils ont laissé une fois là le blanc. Je ne sais plus exactement sur quelle équipe c'était, mais ça s'est mal passé. Là, bah, c'était sur la game d'avant, hein, sur le l'arbre amateur là, c'était Calamity qui a réussi à le choper. Je crois que c'était la première victoire des KFC pour le coup, donc la deuxième game de ce ouais, BO3. Effectivement, je crois, c'est pas nous qui l'a commenté en partie. Non, c'était nos amis Shaba et Jav, n'hésitez pas à aller check leur page, n'hésitez pas à donner du feedback, c'est important pour tout le monde. Bon, donc ban de Rengar aussi. Et oui, Rengar et Kel, oui, c'est toujours des ils reviennent périodiquement ces deux bans. Ouais, ils ont pas tant été piques que ça, mais ça reste quand même des personnages qu'on veut pas voir contre hein. Mmh. Je sais pas si c'est ciblé ou quoi à chaque fois contre je sais pas. À chaque fois contre les Justin Tibbers, si je m'abuse, ouais, c'est ça. Le Rengar est ban, donc je sais pas si c'est ciblé ou quoi contre. Alors ce qu'il faut savoir, enfin ce que je me rappelle, c'est surtout le Rengar qui s'était opposé au Justin Tibbers à l'époque où Justin Tibbers, je crois que c'était eux qui l'avaient fait, mais je suis pas sûr, avait choisi une Lulu. Ouais. Donc et je me rappelle que cette Lulu justement avait bien réussi à punch back le Rengar qui jump sur le carry. Enfin bon, c'était peut-être pas ciblé non plus. On verra comment ça se passe. Et bien, je te propose de check, ouais justement. Un petit peu le first pick et Shyvana. Oh. Et on a encore le combo Morgan et Elise qui n'est toujours pas ban. On le connaît très bien celui-là maintenant. Bah, Justin Tibbers. Sur 3 games, ça commence un petit peu à faire, ouais. Ça commence à faire doucement, effectivement. Et on a l'Instaloc aussi de Shyvana. On verra si ce sera en jungle ou en top. Ah, Shyvana jungle, ça reste quand même. La jungle quand ah, même. Moi aussi. Ça reste vraiment une grosse, grosse valeur sûre. Tu sais, qu'en late game, ça te fournit. Bah, on s'en rappelle hein, de la game DMZ contre, je crois, les Arma. C'était les Arma tout à l'heure, effectivement. Ouais, où la Shyvana était juste godlike. Hein. Ah, la Shyvana était très, 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 très bonne, effectivement. C'était impressionnant parce que il y en a encore personne ne pouvait l'arrêter. Alors, Corki a encore pick, effectivement. Corki qui avait fait mal. Hein. Qui avait fait ses preuves, ouais, qui avait fini, je crois, quelque chose comme 10 kills pour 2 ouais. morts, quelque chose comme ça. Ou un petit peu il avait pris un triple kill early, ça lui a permis de snowball sur le Lucian. Exactement, voilà, Lucian a vraiment été démuni, il pouvait vraiment plus rien faire. Il y en a un pick à l'Istar. Est-ce qu'on a le droit à un petit Yasuo mid? Ah. Ce serait sympa, un petit peu de plays. Ah, effectivement, le petit bump. Après, c'est pas dit que ce soit pick encore, mais. À mon avis, c'est qu'un pronostic, hein, mec. Pour counter tout ce qui est les cocons, les catch, ça, un Yasuo serait pas mal, hein. Bon, autant pour moi, c'est Nami. Moi, j'aimerais bien voir un petit Yasuo, on a pas encore son vu. Son ami et Corki, Nami, qui est un très bon support, encore une fois, qu'on a beaucoup vu, c'est ça qui est intéressant. Et pour l'instant, on a la même team que sur leur dernière game, hein, sur c'est leur vrai. Demi-finale. Encore un Lucian, on l'avait noté, effectivement. Peut-être que ça va partir donc ou sur un Ryze ou sur un Midlaner. Alors, je sais pas quel Midlaner, il nous avait sorti une Anivia de toute beauté, encore ouais. une fois, ici aussi, ça fait plaisir de voir ça. Et vraiment ouais, leur compo était juste infâme, leur compo vraiment masse de CC. C'était basé voilà sur des CC en masse. On avait le snare de Ryze, puis celui d'Anivia, puis la cage de Morgana, puis le cocon d'Elise. Et vraiment c'était une boucle, une chaîne, et c'était vraiment ouais, ouais. affreux. Avec derrière Space Green avec son Corki qui faisait d'énormes dégâts. Enfin c'était effectivement big up au pro de la part des KFC. Best luck. On leur souhaite également Merci. GG. Ouais bonne chance. Les KFC qui je le rappelle sont les gagnants de cette tournoi dans l'arbre amateur. Ouais. Une dernière game de folie. Hein. Une dernière game de folie, effectivement. C'était vraiment très très bien. Bon appétit à tous ceux qui vont manger. C'est vrai qu'il est 20h. Mais maintenant, c'est vraiment bonsoir. Priorité c'est... en direct. Oh le Jace. Oh, le Jace qu'on avait oh, nice. Vu. Le Jace qu'on avait vu. Je me rappelle plus contre qui c'était exactement. C'était contre. Je vais te dire tout de suite. Mais écoute, je te laisse checker. Et donc, on a le pick Trundle au top. Intéressant. C'était contre les KFC, justement. D'accord, ok. Oui, une fois que. Ah, oui, oui, d'accord, ok. Ah, je me rappelle de ce Jace qui avait vraiment fait le pâté contre une Orianna. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, c'était violent. Excellent, excellent. C'est intéressant d'ailleurs de voir le Jace mid. Alors bon, c'est pas lui qui va mid, évidemment. Il peut également top lane. Donc alors, est-ce que ça va être Trundle jungle ou Shyvana jungle? Pour moi, les deux se valent avec le fer à le fer. Petite préférence pour moi sur la Shyvana qui a quand même une engage de grosse folie. Ah, mais Trundle aussi, hein. Un petit Jarvan. Ah, mais le petit bump sur toute l'équipe adverse de la Shyvana est vraiment très très impressionnant. Et on aurait peut-être un Kassa mid contre ce Jace. Ou alors un Jarvan mid Kassa top. Référence à Junin, big up. Ça fait deux fois, putain. Ça fait deux fois. On l'apprécie très très fort. Cœur cœur, des bisous. Contre Noriana, ouais, TRN nous le confirme également. Ouais, ouais. Tu as tes chips, je vais partir sur nice. Des mois. Des barres.
Et les locks, c'est bien définitif. Attends. Oui, oh là là, Kassadin. Oh là là là. Kassadin et J4. Oh, le Kassadin qu'on n'a pas beaucoup vu. Hein. Masse mobilité, hein, du coup, côté de la Blue Team, qui est autre que les Mez. Les Mez. C'est ça. Ouais, marque-le là. Je l'ai marqué également. Et oui, parce que nous, on fonctionne encore sur papier. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Y a quoi? À quelle heure? Et donc, ouais, on voit quand même un combo assez sympa, hein, à savoir l'ulti de Jarvan combiné à un bon ulti de Shyvana et derrière la grosse vague de Nami. Ouais, ça va être intéressant de voir comment ils vont réussir à aligner leur CC. Il n'y a pas de Lulu pour combiner avec l'ulti de Shyvana, mais ça fait quand même très très bien. La Shyvana qui est ultra pique. Hein. En tout cas, le creuset, si ce n'est une purge, pourrait vraiment être très intéressant contre une composition contre qui va partir CC, sur la grosse CC. Là, je vois vraiment ou un mid laner ou un top laner fort en CC. Bah, je pense que ça va être d'y ressortir le Jace mid, à mon avis. Hein. Quoique, ouais. Je sais pas. Vous c'est le top, hein, donc il a déjà pris sa TP de base. Tu me diras, le passif du Kassadin fait que Kassadin réduit de, je crois que c'est 15% des dégâts magiques. Or, si c'est un midliner AD, ça pourrait être très intéressant. Est-ce que ça a essayé de rebrain en phase de pick? Je sais pas. Ah, je ne saurais vraiment pas dire. Oh, le Taric! Oh! Alors, est-ce que ce serait Morgana mid? Ou alors un Taric top? Ou une Morgana mid? Oh là là. Ou un Jace mid? Oh, ça commence fort, ça commence fort. Encore une rotation de CC, ça apporte un peu de sustain, c'est pas mal aussi. Alors là, il y a d'excellents CC, effectivement, encore une fois. Genre un tanky top avec un petit peu, genre, quand les givrants, je pense qu'il va faire des choses comme ça, un cœur gelé. C'est un Taric top laner, ou mid, tu me diras, il peut aussi TP. Oh, c'est intéressant, ça. Oh là 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 là. Oh, les piques exotiques, j'adore. Ah, c'est excellent. Ok, on part sur une bonne grosse soirée qui s'annonce. Allez. Je suis Sushi, voici Crazy, on est Kyo Pikeban et on est... Regardez, c'est la finale. Tout à fait, deuxième édition. En deux ou trois. J'en profite d'une petite intermède pour encore une fois remercier toute l'organisation du tournoi pour tous. À qui on fait des bisous. Des gros 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 bisous. Vous avez vraiment travaillé comme des dingues. Vous avez donné le meilleur de vous-même et on a vraiment passé un super week-end avec des games vraiment de folie. On a perdu Spiwi hier soir. Oui, et j'espère que ces deux équipes me feront perdre les pédales exactement. Pareil. Ah, vraiment, ça va être impressionnant. Ouais, ouais. C'est outrageous. Merci à tous. Truly, truly outrageous. Gems. Alors, qu'est-ce que tu penses du coup d'une compo botlane à base de Corki Nami? Eh bien, Corki Nami, quand même, c'est quand même assez fort. Je veux dire, Corki, Nami, ça va lui permettre un petit peu de sustain en début de game. Tant qu'il a pas sa trinité et son ulti, c'est un peu galère, Corki. Il pourra pas prendre le trade, hein, contre Lucian. Et Lucian Morgana, bon, on l'a vu au fur et à mesure du tournoi, mais c'est quand même une très bonne bot lane, hyper solide, à base de poke, et quand même, ça reste safe, hein. Je veux dire, il y a le Black Shield, il y a quoi protéger, il y a de quoi zoner avec Morgana. Bah, ils ont un petit peu de tout, en safe, ils ont quand même la ruée, plus le Black Shield. Ouais. En agression, bah, ils ont quand même un double ultime qui est quand même très 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 puissant et qui peut vraiment stun totalement. Il faut savoir que, ouais, Lucian, je crois que ça annule les slows, en fait. C'est pas, oui. Ça annule pas les stuns, mais ça annule les slows. C'est ça. Bon, à la limite, des slows contre Morgana, ça va, c'est pas le plus délicat, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt contre Nami, en fait, pour sur les trois auto-attaques qui slow, et ça peut aider, mais je veux dire, c'est vrai que sur une bulle, ça aide pas grand chose. Non, voilà. Pour la dodge ou quoi, mais à la limite, le slow, oui, ou l'exhaust, non, je pense pas que ça annule l'exhaust, cela dit, ça me paraît non. Erreur, on verra bien, écoute. Erreur de pic chez JT. Je sais pas. J'espère. Peut-être pas, hein. Peut-être que le mec s'est endormi sur son clavier, tu sais. Ou Tariq, c'était un troll. Oui. Je sais pas. Ah, Tika nous fait signe qu'apparemment. Hein, ah, il pas. A bug random pick. Oh là là. Oh là là. Eh ben écoute, on lui souhaite bonne chance. Eh ben oui, je sais pas contre le Jarvan, je pense. Jarvan ou Kassadin. Oh, dommage. Ah ouais. Ça nous a un peu surpris, on s'est dit, oh là là, ils ont brain tout le monde, en fait, pas du tout. Je pensais que c'était pick. Un choix, vraiment, ouais, quelque pareil, chose de, ouais. Je suis un peu déçu. Ça va offrir du beau jeu, à base de gros stun. Ah bah là, clairement, le stun de Taric, c'est comme Sution, si tu l'esquives pas, quoi. Oh. Faut refaire la game. Faut refaire la game. Oh là là. D'accord. Oh là là, je prends vite un screen. Ouais. Des fois que. Ouais, faut garder les mêmes. Apparemment, on me fait signe qu'il faut refaire la game, mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. Alkman, je me tourne vers toi qui es la régie. Je sais pas si du coup s'ils vont devoir garder les mêmes picks, les mêmes bans, juste revenir au moment où c'est Taric qui pique. Ah ouais, c'est dommage. Je vais noter vite. Enchaîne. Ouais. Moi du coup, tant qu'on n'a pas encore toutes les teams complètes, on peut pas trop savoir. Bon, du coup, on est juste certain de la composition des Mez. Comme on disait, une bonne rotation de CC, il y a de quoi, il y a vraiment de quoi faire. Et une bonne mobilité aussi avec Jarvan, avec Kassadin, avec Shyvana. Donc on va voir ce que ça donne, on va attendre le dernier pick. En attendant que la game se relance. Voilà. Bah, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, hein, des petites infos sur le tournoi ou quoi? Est-ce que des petits trucs à dire ou pas? Je suis déçu. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Le dernier JT a misclick. Ah ouais, effectivement. Ouais, on est au courant, ouais. On a vu sur le chat.
Très très bien. On peut pas refaire le truc, les c'est que nous, picks. ouais, voilà, on n'est pas. Bah après, à la limite, on a noté tout, donc on pourrait dire, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Même ban, même Même ban, pick. même Ok, pick, bah ok, on ça les a marche. notés. Pas de soucis. Nickel, nickel. Tous les bans et picks sont notés. Ah d'accord, ouais, donc effectivement, ça. Bon, ok, bah je quitte également. Ok. Ok. Bon. Bon, et bah c'est dommage, j'ai trouvé ça intéressant comme compo. Tant pis. On partait sur un bon gros Taric, là on était content et tout, en fait pas du tout. Pas du tout. Bon, est-ce qu'on Alors. part sur un petit point game là? Est-ce qu'on en parle Point de la game? stuff! Oui! Alors, du coup, à la demande générale, nous avons quitté le Par contre, on spec. aura un vide, je sais pas s'ils ont. Parce que du coup, ça a lancé la game, il va falloir qu'ils Non, tournent. non, non, ça. Ouais, mais c'est une custom, ça peut s'annuler Ouais. facilement. C'est quand même dommage! Parce que bon, je sais pas si ça se passerait comme ça au LCS. Mais nous ne sommes pas au LCS! Nous sommes actuellement sur le tournoi pour tous, organisé Bah par si, la Fnatic. bug, hein. Mais non, il a bug, c'est bien, c'est bien, bien. Évidemment. Ok, ça nous ravit. Ça nous invite donc sur cette game. En attendant, eh ben, on va leur redonner les piques et bans. Ouais. Hop. Je te laisse meubler comme Ouais. ça. Pour meubler un petit peu, ouais, bon, on va juste préciser qu'on est. Bon, c'est évident, hein, mais on va préciser quand même qu'on est sur le patch 4.9, où on le rappelle que le Kha'Zix s'est fait vraiment ultra nerf. Je suis un peu déçu, mais bon. Je pense qu'il est encore viable, honnêtement. C'est ouais, sur son ratio de A sur les cibles isolées, ça a été gros, majoritairement réduit. Et par contre, son Z a été augmenté. Il y a un slow de 50% au lieu de 30%, je crois que c'était ça. Une régène plus importante, et maintenant ça offre la vision. Donc, ouais, c'est en gros le principal, la principale info de ce patch. On a aussi, ouais, effectivement, on a eu quelques infos sur la map qui va être rework. Certains disent que ça ressemble un peu à Dota, mais perso, je suis content. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa qu'ils améliorent visuellement la carte. Faut vraiment voir ce que ça donne. Après, c'est qu'en test, hein, c'est en construction, donc on va voir ce que ça va donner. Oui, beaucoup trouvent qu'il y a une petite ressemblance avec l'art de Dota. Alors effectivement, je suis de cela, effectivement. Beaucoup aussi disent, non, c'est pas bien, ça va changer. Moi, je trouve que c'est intéressant. Bah ouais, ça change un petit peu, ouais, D'une part, c'est. bah, ça arrête un petit peu le côté kawaii flashy d'Esca et puis tous ces genres de choses, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça bien, Je honnêtement. trouve ça Enfin, peut-être plus sombre, plus... Oui. en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est vraiment le contraste. Bon, c'est bien qu'ils aient fait un contraste, mais je veux dire, la mid lane, enfin, les lanes par rapport à la jungle, c'est vraiment genre, tu passes du sombre au kawaii, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Après, ils avaient parlé également de quelque chose, donc comment dire, des textures plus lisses qui permettraient en fait que l'œil se perde moins pendant un teamfight, D'accord. notamment pour les nouveaux joueurs, pour C'est qu'ils vrai. ne se perdent plus sur une Hmm. action groupée comme un Tu veux teamfight. dire, même, c'est vrai, hein, même nous, quand on Ouais. commente ou même nous, quand on joue. Ah oui, C'est c'est vrai sûr. qu'on loupe des trucs, hein, C'est ça la c'est le fièvre du jeu bordel. qui m'enivre. Tout à fait. Eh ben écoutez, Je ne pour le comprends rien au moment, teamfight car on m'a caché cassez mes mes lunettes. lunettes. Tout à fait. Alors pour le moment, rien ne se passe de fou. Alors je vais placer un petit message Dans la sur joie le et la bonne chat. humeur. Hashtag oui. Oui, en fait. Oui, en fait. Une game qui va se recréer tranquillement. Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore quitté, en fait. Est-ce que la game se ferait sans nous? Ne sais pas, je constate amèrement. Non, je ne sais Peut-être pas. t'as personne de la liste d'amis, On non? va peut-être, si je les ai peut-être sur la liste générale. Non, pas ici, pas ici, pas ici. Non, Ok, non. bon. Si, non. Ligue! Ligue. Ne nous laisse pas! On Qu'est-ce est qui un se peu démunis, du coup, on passe? sait pas ce qui se passe. On va attendre tranquillement. Oui, effectivement, on va vous mettre une petite vidéo pour patienter. Ça Je te laisse peut être mettre le lien. sympathique. On va vous montrer dans quelle galère on est quand on shootcast, c'est un peu la même chose. Hop, j'ai mis ça là-dessus. Ça va permettre un petit peu de rentrer dans le privé de joke ou quoi, ça vous paraîtra moins con. Remake, tout ça, tout ça. J'ai les piquets Ouais, ban, ouais. ligue. J'ai les piquets ban. Bah, t'appeler direct, Pierre. Ils sont autres que. Oups. Ah, c'est pas ça, je pense. Oups. C'est pas les piquets ban. Tellement pas mais. Ok, je vais donc devoir tout me retaper à la main. Grosse ambiance. Bah, du coup ça va, ça laisse un petit peu, ouais, c'est quoi, c'est 6-7 minutes aux viewers pour de meublage entre guillemets pour voir cette vidéo. Ouais, c'est ça. Kayle et Yasuo. Nickel. Ouais, on Alors peut les parler un mêmes. petit peu aussi de la sortie des skins. Bon, on en parle un petit peu chaque game, on essaye de meubler comme on peut. Donc faut savoir que ouais, il y a bientôt les skins de la FIFA qui vont sortir, donc pour la Coupe du Monde, à savoir le skin de Lucian, de Alistar, de Gragas, et de Twisted Fate, Redcard, je crois c'est ça. Je sais pas s'il en C'est reste un ou ça. quoi. Non, je crois que c'est bon.
Ah oui, il y aura aussi Prime Time Draven et c'est tout. Je crois que c'est bien. Je crois qu'on est bon. Mais écoute, je te laisse marquer les piques et ban. Tout à Pendant fait. 15 regrets. Oh là là, ça me poke un petit peu trop. Ce mec qui se fait poke. On remet On tout de met tout de A ban. à Z, donc on va recréer un lobby et tous les piques et bans sont refaits comme une nouvelle D'accord, game. ok. D'accord, bon, ok. Bon, remarque, pas si mal, ça nous évitera de dire bon, bah oui, il va pique ça, etc. Très très On va bien. pouvoir analyser autre chose. Bon, c'est dommage, moi les compos me plaisaient bien. Puis là, du coup, ça nique un petit peu le suspense. Enfin bon, même s'ils se Ah oui. connaissent et qu'ils ont vu les games des uns et des autres, là, s'ils ont vu un petit peu les combos, à savoir Morgana, Elise, tout ça, donc. C'est quand même un petit peu dommage, hein. À mon avis, Ouais. Elise et Lucian, quoi. Là, par contre, franchement, ce serait pas très fair-play. Bah, c'est que voilà, c'est normal, c'est nous qui sommes. Je ne sais pas. Mais apparemment, il a bug, apparemment, il a pas pu pick, justement. Et au moment où il a pu pick, il a pris un random perso. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, j'aimais beaucoup la composition Bah ouais, non, des. clairement, ouais. J'aimais beaucoup la composition des Justin Tibbers. Vraiment, elle a vraiment fait ses preuves. C'est super fun à voir. C'est super fun à jouer, apparemment. Puis vraiment, tout le monde y l'a dit. Go lancer. Go lancer, ouais. Allez, allez. What? Fixed. Que Ce qui veut dire oui. Oui, oui, en en fait. fait. Joli, la synchro. Joli. Est-ce qu'on peut partir sur un high five de type sonore? Allez. Très bien. Yes! Excellent. On est raccord. Donc oui, là, bah, pour l'instant, on ne peut rien dire. Et c'est bien parce qu'on a que totalement détruit notre timing. Nous devions commencer il y a une heure. Voilà. Bonjour! Bonjour. Est-ce qu'on a vu notre vidéo? Je remercie les... The Je me... Une petite Ah, voilà, c'est dédicace de Kies qui reparti. remercie ses parents de l'avoir mis au monde et de l'avoir permis à accéder à ce tournoi. Excellent. Beaucoup Une d'émotions, on pense au violon, toujours. petite musique derrière, Akmen, style violon. My heart will go on, ou quelque chose comme ça. Oui, avec une prononciation de type énervé. Et le ban de la Morgana serait vraiment, vraiment pas venu. Bah, d'un côté, les autres pourront ban Shyvana. Bon, ça reste Reban Jax, ça va pour reban le l'instant. blanc, je Ils savent pense. tous les deux que, enfin, tous les deux ne veulent pas retomber sur quelque chose comme ça, quelque chose qui est vraiment incontrôlable et qui, au Ouais. final, sera vraiment plus compliqué. On a dit dans les deux, enfin, dans la tête des deux équipes, ils vont se dire, ouais, bon, ça se passe de ban les persos qu'ils allaient prendre ou quoi, mais d'un autre côté, ils se disent, voilà, si on le countera, peut-être qu'eux vont ban les nôtres ou quoi, donc c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. On va Non, voir ça reste pour si. l'instant très très commun. Ah, Ouais. le ban de On Morgana, ouais, l'avait voilà. dit, bon, bah, fallait s'y attendre, ça va ban Shyvana, du coup, je pense. Ouais, là c'est fort probable, effectivement. Ouais, Ouais. bon, c'est pas grave. Tu vois, tu me diras, c'est un BO3, il l'aurait fait la game d'après, mais bon. C'est dommage, j'aimais beaucoup vraiment la Morgana de Camille, quoi. Vraiment, on avait vraiment des cages, mais de qualité, c'était Ouais, impressionnant. clairement. Ouais, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça va pique, donc ça va ban encore Kayn. Oh, Allez, voilà, Morgana Morgana Elise, Elise, ah, ça c'est c'était violent, sûr, hein, ah, c'était c'est violent obligé, quand hein. même. On le savait. Et des bans très ciblés, donc du coup sur le mid laner. Sur mid laner et sur le jungle, effectivement. Ils veulent pas les mêmes picks. Bah, ils savent que leur compo est vraiment bien bien rodée. Je pense que c'est en Bah strat. C'est un peu dommage d'avoir perdu la strat à cause d'un AFK, mais ouais. bon. D'un autre côté, maintenant, il y a ni Yasuo, ni Braum qui sont ban, ni Rengar, donc faut voir. Du coup, ça leur laisse peut-être des. On sait pas du tout si c'est des ciblés ou quoi, mais ça leur laisse peut-être plus de choix dans les picks. Peut-être. En attendant, toujours pas Et le de ban ban de de Jarvan, ban ouais. de Jarvan. Oh, Et Shyvana. là, ça y est, Shyvana. Instaloc, hein. C'était vraiment, je veux ma Shyvana. On Mec a a vu du clic, vraiment genre, la la banne terreur pas, que la banne c'est. pas, la banne, oui! C'est ça, je pense que c'était un petit peu comme ça. C'était vraiment J'avoue, je bien suis un peu comme installé. ça quand le blanc est pas ban en Oui, ranked, c'est tu sais. ça, oui. Je suis first pick, le blanc est toujours là. Oh là Oh là! là là! Bon voilà, donc cette vidéo, c'était à peu près nous, notre premier shotcast, si vous voulez. Voilà. On n'a pas encore retrouvé la VOD, ça viendra peut-être, à moins Gros qu'elle se troll, soit c'est dit. perdue dans les méandres d'Internet. Faites un karaoké en attendant, c'est une bonne idée ça. USA! USA! Non! Attends, talent, Oh, Carlis! Calis! T'as un C'est univers! vraiment ton univers? Et Oh non, c'est Sewin. La Lulu voilà, Yasuo, Yasuo, on en parlait. réponse directe! Allez, bim! Réponse directe. Yasuo avec Et Lulu là, là, top, on a quand même. peut-être. Là, on Oh, a je suis quand même. chaud. Non, Lulu support, je pense. Après, Oh, Lulu elle top, peut c'est aller possible. partout! C'est ça qui est affreux avec une Lulu. Tu peux la voir partout! Style contre un Jax, mais Lulu, c'est fort, hein. Mais oui! L'early de Lulu est tellement fort. Alors. Là, quand même, on a déjà un bon combo, c'est-à-dire que Lulu qui pourra ulti, peut-être un tank ou quoi, on verra qui y aura, et Yasuo qui pourra enchaîner sur son ulti, donc le bump de Lulu, de Lully, Oh, exactement, Lully! le bump de Lulu linké avec l'ulti de Yasuo, ça fait beaucoup de i, hein. Ça fait Ça peut faire beaucoup très de mal, heal. ouais. Et donc on a encore la Shyvana et le combo Shyvana-Orianna peut-être qui va revenir. Ah ouais, peut-être qu'il pourrait revenir. Effectivement, ça a été très efficace sur le début. Ah oui, On peut. sur la demi-finale, c'est Sur la violent, hein. demi-finale, était vraiment puissante.
C'est vraiment bah, le problème surtout c'est que la Shyvana au bout de 30 minutes elle ulti dans quatre personnes sans aucune crainte de mourir. C'est ça qui C'est est vraiment ça. impressionnant. Elle zone le carry vraiment. On se rappelle de ce combo célérité à la crité parce qu'il lui donnait 440 Bah, de low personne pouvait speed l'arrêter sans en fait, rien. hein, tant que tu la tues pas, Inarrêtable, bah voilà. inarrêtable. C'était Et vraiment on a le pic exceptionnel. de Corki également, Et le Corki le qui Corki est de Space Green redéroulé. qui est repris. Donc oui, changement de stratégie pour les Justin Tibers, hein. On sent que ça peut plus faire la même chose. Orianna est également verrouillée. Tariq. Est-ce que tu trolls? Tu arrêtes, hein. Attention, hein. T'imagines après la même compo, tu sais. Bon, alors oui, on a lancé la game, mais bon. Mais en fait, Taric, on l'aime bien. Alors ça En va. fait, j'aime bien. Je pense que les deux sont ensemble un petit peu parce que tout à l'heure, pareil, Quez a également placé un Taric. Prends Oh, nounours le et c'est Volibear! win. Le nounours! Nice. Ah ouais, effectivement, joli. Ah, c'est cool, on voit Oh. vraiment des nouveautés, c'est vraiment intéressant. Enfin, des nouveautés, c'est pas nouveau non plus, tu me diras, mais c'est quand même intéressant de pas voir toujours la même chose, toujours le même Shyvana top, Renekton. Bon, tu me diras, Shyvana top, c'est un peu compliqué. Mais bon, donc le nounours, c'est Oh, pour la permettre la Soraka. qui. La Soraka qui nous fait peur, hein, toujours, malgré son petit nerf. Ouais, c'est vrai qu'elle était, bah, elle était revenue en fait. Elle a été un peu up, mais vraiment beaucoup up en Le fait. problème, c'est qu'elle a été up, puis nerf, puis re-up, parce C'est que le les gens problème, c'est n'aimaient plus. l'équilibrage dans ce genre de jeu, c'est compliqué. Il y a tellement de paramètres, tellement de compos différentes, c'est compliqué d'équilibrer. C'est un petit peu compliqué, Oh, c'est le sûr. Tamo. Tamo. Ta. Tamo. Ta 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 Tamo. Tamo. Ta. On peut faire un karaoké là-dessus du coup. Bien sûr. No vie pirate. Et donc, toujours est-il que. Oh, une Zaira, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu ça. Oh, ça pourrait être Ouais, intéressant. Zaira, c'est sympa, ça ferait aussi une bonne rotation de CC. Un Dyrus. Dyrus? Tu comprends d'où vient le papa de Kaweta Dyrus. RL? Eh bien, voilà. C'est simple, c'est Ah, fait. On a voilà. dévoilé tous nos secrets. On peut Tu partir veux être maintenant. popote la boîte, petit fond papa. Pour papa. Et Voilà. donc, le pic Darius et Oh, le Zaira. Oh, Broom! le Brom! Oh là 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 là. Brom qui a Et été ça va être pas ban. mal, Broom contre Corki. Ça va tellement contrer tout son poke. Ah, c'est pas mal du tout. Également pas mal contre Et une donc ce sera bien Shyvana. Lulu top ou Lulu mid. Ah, ce serait Yasuo au top. Oh, contre un Contre un Darius. Darius. C'est pas Oh. top. Bah si. Yasuo contre Darius? C'est au top. Oui, non Allez, c'est bon. Allez, merci à tous. mais. Salut, bonne soirée. J'étais en train de te regarder, genre. Il m'a regardé, il m'a lancé un regard, Mec, genre non. pourquoi tu me contredis? Pourquoi tu dis ça maintenant? Arrête Arrête! de faire ça, quoi. Pas du tout. Non, non, Ah non. effectivement. Bah, le problème, c'est surtout que le Yasuo va pas vraiment pouvoir se stuff armure. Mais c'est. Cela Faut dit, la l'avoir. armure! Armure! Cela dit, le TP est Non parti. Non, mais. je vois bien plutôt une Lulu top justement pour contrer Le Darius, le c'est Darius. pas bon. Ce qui peut vraiment être pas mal. Et puis, bah, à Elle a contrario, son un Z pour Yasuo mid contre s'escape. une Orianna, c'est très très puissant parce que Orianna joue quand même une grosse partie sur ses auto-attaques via son Exactement. passif. Et le wall des Yasuo empêche absolument tout, que ce soit les boules qui avancent. Même l'ultime est contrée par le wall si la C'est boule est juste vrai? derrière. Et ça, c'est. Ah, Ah j'en ouais. ai fait les frais. Et c'est vraiment atroce. De même d'ailleurs que le wall de Braum, il faut le noter, il y a quand même deux Ah walls. ouais, donc il y a un super combo, ça fait une bonne synergie là quand même. Hein. Bonne synergie, c'est bien, j'aime bien les strats un petit peu de secours Ah mais là ça permet, à mon avis, des Justin Tibers. là franchement, si Lulu arrive à caler l'ulti sur un Volibear qui a 4000 PV avec 3 Warmog, qui arrive en plein milieu d'un fight, qui bombe tout le monde, Yasuo qui enchaîne avec tes ultis, et Braum et Lulu qui font le taf pour protéger, franchement il y a vraiment moyen de faire un bon team fight. Hein. Franchement, je suis vraiment fan de leur compo là, On a également côté des Justin Tibers. une synergie avec l'ultime de Braum qui se scale avec celui de Oui, Yasuo. effectivement, ouais. Je ne sais pas. Ah Alors, je ne pense pas que le throwback de Volibear compte comme un bump. Je sais pas. ouais. Non, le. Ah, si, C'est oui. un bump. Tout ce qui met en l'air, en fait, compte, en fait. Très très bien. Rien que le Flay de Thresh marche. Hein. Oh, d'accord, effectivement. Ouais, tu me diras, le Flay de Thresh, pour le coup, c'est un bump, je sais Oui, pas. Bon, bah très bien. Eh bah écoute, effectivement, il y a de quoi. oui. Après, oui, il y a quand même une bonne synergie aussi dans la team des Mez, hein, Oui. il faut savoir. Il y a aussi juste, je Il y reviens a juste l'ulti pour de cette. Zyra. Vas-y, je te laisse. Non, juste l'ulti justement de Lulu pour bump également. Ils ont Oui, c'est ce que je disais, énormément. hein, c'est ce que je disais, c'est si Lulu arrive à caler un Oh, ulti sur pardon. le Volibear en plein milieu du Autant fight, pour moi. Très voilà, très bien. Donc, il n'y a tu pas trop parlais de la d'excuses. Mez. Merci à Voilà, toi. voilà. Je t'aime. Oui, moi aussi. Mez donc. Oui, exactement. Tout à fait. On va pas Allez, parler de il y a beaucoup ça. trop gay, tu sais, pas du tout. Et ouais, donc du coup, ouais, il y a quand même une bonne rotation de CC aussi côté Mez, hein, avec Zyra, avec Orianna et avec Shyvana. Il y a un bon combo à faire. Plus un petit coup de Darius. Darius qui arrivera à mettre des coups de hache et Corki qui pourra DPS derrière tranquillement. Donc on verra bien. Pour moi, je suis vraiment plus fan de cette team de Justin Tibers au niveau de la compo. Après, au niveau des favoris, il n'y a pas de favoris quoi. Enfin, Bah après, on verra. le petit souci quand même, c'est que bah, une compo à Wombo Combo, comme on pourrait le voir justement sur la Team Violette, c'est que dès qu'il manque un membre,
ça devient compliqué. C'est vrai. C'est le problème, c'est que si les Mez arrivent à prendre l'avantage sur un teamfight, le combo mortel pourra pas forcément passer. Mais tu vois, c'est quand même une team, tu vois, un petit peu polyvalente, c'est-à-dire que en lane, Lucian ce sera bon, Yasuo ce sera bon, Lulu contre Darius, elle a son Z pour s'escape au cas où il voudrait l'engage, elle a son ulti pour contrer justement l'ulti de Darius et les dégâts. Elle a un slow, etc. Elle a vraiment de quoi contrer le burst un petit oui, peu de Darius. Plus est, elle peut totalement esquiver le coup de hache, l'ultime de Darius. Elle a même pris le heal, hein, donc ouais. Je pense que ça va tenter de faire des moves. Il y a deux heals. Yasuo qui a pris le heal aussi, donc un seul ignite. Non, Yasuo qui a pris l'ignite, c'est Ah oui, c'est Lucian qui a pris le heal. Oh là là. Oh là là. C'est la popote là, oui. Et oui. Et oui. Et oui. Encore. Trois synergies. Encore le nounours. Et oui. Tout à fait. On a acheté un ami pour le support, c'est vrai. Et c'est intéressant de voir la Zyra parce que Zyra a vraiment été plébiscitée pendant un temps. Bah, c'était, c'est pas pour rien qu'elle a un skin SKT, hein. Ouais. Ça a été l'un des meilleurs, support de la saison, enfin, de la transition entre la saison 3 et la saison 4. Oui, surtout. Elle était très présente. On a vu, on se souvient des Fnatic, un hein, Yellow Star qui la sortait à mort pendant un moment, sa Leona passait plus trop. Enfin, il y avait des compos qui se faisaient style Nidda, style Lulu, des persos entre guillemets qui pouvaient counter pas mal les engages de Leona. Donc les persos un petit peu all-in et elle revient un petit peu et la Zyra ça fait plaisir quoi. Je crois que c'était Poumandou. Excusez-moi, du coup je fais une recherche. Je ne sais plus. Oui, c'est le support des SKT. Ouais. Est-ce que Darius veut nous vendre du rêve? Ben, on l'espère également. On l'espère également. On va voir. Non, c'est ça qui est intéressant quand même. Il y a un petit peu de changement Darius. C'est vrai qu'on a toujours dit oh là là, ça se verra trop pas. C'est trop nos brains. Ouais. C'est brain dead. Alors qu'on on l'a vu sur une game. Oui. Tout à fait. Je me rappelle plus plus, sur je quel rappelle game, plus, par mais contre, de comment il avait géré ça. Par contre, il jouait pas contre un Nasus ou attends. Oh si, tu as raison. Je crois que c'était contre un Nasus. Hein. Tu as raison. Et le Nasus a réussi à prendre le dessus après coup. C'est ça qui est dommage. Il a essayé ouais, de ouais, contrôler Darius et ça aurait pu vu leur lead de Darius, mais le Nasus. Je crois que c'était pas sur ce tournoi. On était sur l'Arena League, je crois. Ah peut-être. Je crois qu'on se trompe de tournoi. C'est parfait. Darius c'est plus squishy, oui effectivement. Mais bon, tu peux quand même te stuff off tank. Mais là vraiment, la front line, ça va quand même être Darius Sivana. Bah le souci majeur de Darius c'est nécessairement qu'une fois qu'il entre dans le fight il est forcé de le finir, il peut pas s'en sortir. Bah justement, en marchant je pense qu'il va essayer de se stuff. En fait il y a pas mal d'écoles sur Darius aussi. Je pense qu'il peut essayer de se stuff un petit peu utilitaire, c'est-à-dire avec la trinité, avec des items un peu comme ça qui lui donnent un petit peu plus de move speed. Donc faut voir un petit peu comment il va se stuff. Après il peut se stuff carrément full tank, direct cap solaire, Warmog, ces conneries comme ça. Ouais. Ou alors il peut faire off-tank, c'est-à-dire se faire une Hydra ou quelque chose comme ça, un Bruta ou un truc comme ça. L'Hydra sur Darius est excellente pour ça, justement. Hein. C'est vraiment très 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 puissant. Ouais. Bah, une grosse force de dépush qui. Bon, tu me diras, elle n'est pas nécessaire. J'allais dire nécessairement nécessaire, mais pas du tout. Là, il y a vraiment du dépush hein, côté Mez. Côté Mez, ils ont avec vraiment, Shyvana, avec Orianna. Et donc, réorganiser le placement. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas que le placement de LoL, il y a aussi le placement de la régie, et ça c'est important. Enfin, la régie, du coup, non, la régie c'est avec Men. Le studio. Et donc, on a oublié ceci. Après, en termes d'early late, les deux teams se valent. Hein. Je veux dire, Darius sera vraiment efficace en early mid game, quoi. Après, il servira que à tank. Après, d'un autre côté, il y a Shyvana qui sera très intéressante en late game. Il y aura Orianna aussi. Il y aura Zyra qui mettra vraiment des stuns, ben une rotation de CC assez importante. Oui, ils sont présents sur tous les niveaux de la game, quoi. Après, entre Corki et Lucian, pour moi, les deux, ça se vaut. Lucian peut-être un petit peu plus fort en early et qui s'essouffle un tout petit peu en late, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et Corki, on verra comment sa team arrive à le protéger, entre guillemets, puisqu'il nous caler des grosses Bertha depuis derrière le fight. Les grosses Bertha qu'on a vues qui étaient plutôt puissantes. Hein. En plus de derrière, ils se mettaient vraiment pas en danger. Ouais, les Bertha là-dessus, Space Green. C'était vraiment cool. Pour le niveau Après, de voilà. Cette partie, donc ça reste sur du platine côté Mez, oui full platine, alors que côté Justin Tiber, c'est nous un avons petit deux peu silver. Hétéroclite, il y a quand même deux silver, un donc presque gold, ouais. Un gold et deux platines. Voilà, voilà. Mais on a pu voir vraiment tout à l'heure, bah, notamment sur les Mez, donc full platine contre une team full diamant, qui n'était autre, si je ne m'abuse, oui, que c'est ça. Les Funrank. Funrank qui était la purple team. La purple team, du coup. Mais écoute, je veux bien que tu me mettes sur le non-nexus, que je check un petit peu les runes, les masteries. Très, très bien. Ouais, nickel. Je te laisse m'indiquer. Et la partie qui se lance, c'est donc la finale du tournoi pour tous, opposant les Mez. C'est la première game. Oh, et c'est déjà la pause. Il est parti manger. Voilà. Comment faire une pause comme ça, genre non. Et c'est le départ. Non. Très bien, merci. Bah, du coup, on va profiter de cette petite pause pour parler un petit peu des runes, exactement. Des masteries. Laissé en carton prêt à... Ouais, on s'estime que tu n'as pas beaucoup de temps. Ok. Ouais, donc on part sur un Braum vraiment full défensif. Hein. Il a 0, 13, 17. Donc pas mal d'utilitaire aussi. Un Volibear qui part sur du 9, 21, c'est classique hein, au niveau des Masteries.
Niveau des runes, on va voir. Alors, Volibear qui est parti sur de l'attack speed, de la magic resist, par level, de l'armor et de movement speed. Donc, ouais, c'est des intéressant. Runes. L'attack speed est intéressante. Sur Volibear, ouais, c'est sympa. Hein. Pour expliquer juste un petit peu, le E de Volibear qui inflige d'énormes dégâts en proportion de sa vie s'inflige après 3 auto-attaques de Volibear. Donc, les 15% plus tu stack, de... plus t'arrives à stacker le nombre d'auto-attaques. Alors, plus, l'attack ça fait mal. Speed est vraiment très très puissant. Voilà, on va voir s'il fera le flair ou pas. À mon avis, ça dépendra de la game. C'est-à-dire que si les lanes se font un peu camp. Je pense qu'il. Oh là là, ça part, ça avance très très rapidement. Les messes s'avancent. Ils essaient de cacher le Yasuo. Effectivement, c'est quand même risqué de commencer avec un Darius sur ton grab. Oh là là, ils s'avancent. Ah, ils le veulent. Oh, ils le veulent. Ils veulent du pain dès le début. Ils le chase. Ils sont rodés en top. Ils sont un petit peu rodés. Ils sont partis une ward. Ah, ils mettent la pression. Là, tu vois, on sent qu'ils sont là. Ouais, bah là, c'est la finale quand même. Ça déconne pas. Là, il déconne pas. Là, c'est la guerre là. C'est la guerre. Très très bien, ça back. Bon, jusque là, le pire est évité. Le Yasuo a quand même été très préventif. Du coup, peut-être qu'ils lui ont fait waste une ward. Donc, bon. Comme je disais, pour moi, ce qui va pas mal influencer la game, ce sera entre la Shyvana et le Volibear. C'est-à-dire qu'ils peuvent tous les deux choisir de faire Feral Flare et gank de temps en temps. Ou alors, il y en a un qui peut choisir de faire un ancien golem ou quoi. Et d'essayer de gank rapidement et d'essayer de donner l'avantage en early à sa team. Parce que les deux teams sont fortes en mid, en early, en mid et en late. Et c'est vraiment, à mon avis, le jungler qui pourra faire la différence. Et mettre bien leur lane qui est plus snowball, quoi, tu vois. À noter quand même l'important travail de Kess à la dernière game qu'on a vu avec sa Shyvana qui a quand même été ultra présent tout en stackant, ça fait affaire à 36 stacks. Donc on va voir comment ils vont gérer ça, sur quel save ils vont partir. Mais on va voir très confiant. Premier SM debuff, et donc c'est parti pour cette finale de l'arbre pro du tournoi pour tous. Tout à fait, alors avec un début concentré donc sur la bot lane en support pour le coup. Ouais, comme tout le temps, hein, c'est vrai que t'as une meilleure aide quand même avec ta bot lane, et ça handicap un peu moins ton top laner qui est obligé d'un peu push pour choper ce level 2 avant. Exactement, le level 2, donc surtout que ça va être intéressant sur Yasuo et Darius. Yasuo top, hein, on peut le dire, avec une Lulu. Et oui, donc oui, c'est qu'on avait mal pronostiqué. Mais c'est dommage pour moi, je sais pas si. Le Yasuo risque quand même de prendre un petit peu le dawa. Ouais, Lulu contre Ryan, c'est pas mal aussi. Mais il y a quand même de gros dégâts placés sur Darius. Darius qui tente quelque chose avec toutefois l'aggro des crits. Attention, voilà. Bon dégât de saignement. Darius, début ça game. Fait très très mal en early avec le saignement, exactement. Comme tu dis. Ouais, effectivement, je suis un peu déçu. J'aurais préféré vraiment. Enfin. Franchement, Lulu aurait été meilleur contre Darius et Yasuo aurait été meilleur contre Rayana, donc on va voir si c'est pas une stratégie ou quoi, si Lulu pourra plus décaler que Yasuo, je sais pas. Ah, peut-être. Enfin, Yasuo a la TP aussi, donc non, attends pour moi. Non. Yasuo a l'Ignite, il avait pris la TP au début, mais non. Donc pas de TP, pas ouais, TP côté. Du tout d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, aucune TP côté prise. Côté Justin Tiber, c'est. Et gros dégâts placés sur la Lulu, il faut le préciser. Et non, en fait, il n'y a pas de TP dans la game. Il n'y a pas de TP de la game du tout, ça c'est une. Limite une première, on pourrait dire. Ah ouais, c'est vrai. Oups. Donc vraiment ils vont essayer de prendre l'avantage sur la lane avec en ayant pris des ignites. Pour remettre le. Nickel. Tout à fait. Bon au niveau des stuff, on est parti sur du classique, Brome qui est parti sur le Targon et Zyra qui est parti sur la lame du prospecteur. Donc ouais des stuff vraiment très classiques. Hein. Peut-être que le Darius a déjà claqué ses potions. Ouais. Là le Darius c'est pas si bien que et ça. Lucien et là, Lucien qui est pas très bien en plus. Encore un une gros fois, de Zyra. Les deux junglers arrivent en top lane, duel dans le tribush alors que. Allez, bon, les gars Volibear sur la Shyvana. Volibear les gros dégâts, sauf que le Volibear a son passif. Ah c'est dommage qu'il continue pas comme ça. C'est dommage. Il y a son passif, ouais. Le passif qui est claqué. Effectivement c'est dommage. Bon, une petite rencontre au top, du coup ça a envoyé un petit peu tout le monde dans sa jungle. Oh le oh, first blood. Le first blood du Darius qu'on n'a pas vu parce qu'on regardait ailleurs, autant pour nous. Ah c'est le mal. Bon, regardez la Shyvana rentre un petit peu la queue entre les jambes dans cette jungle. On est un petit peu impardonnable. Ah le Darius qui a pris d'énormes dégâts sur la tornade, le percevant, je ne sais plus comment il s'appelle, ouais, du ouais, Yasuo. C'est vrai que le shield de Yasuo en fonction de donc plus il se déplace, c'est pas mal hein, contre le Darius qui implique les saignements. À chaque fois il est obligé de proc le passif du coup avec une auto-attaque. Donc c'est pas si mal je pense Yasuo contre Darius. On va voir comment ça se passe mais pour l'instant il s'en sort bien. Là il a bien pris l'avantage effectivement. C'est pas mal du tout. Bon ça veut dire qu'on arrive juste à être sur les bons moments enfin les bons endroits au bon moment. Oui oui autant pour moi. Non, c'est, mais c'est notre bad. Mais cela dit je crois que notre ami Alpman a réussi à choper l'action. Très bien. Effectivement, ah oui, l'action était prise. Bon. Qui a pris le alors nous n'avons pas commenté. Ah ouais. Et là ouais, Corki qui est vraiment bien alors que Lucien il est un peu dans le pâté là. Il prend beaucoup de poke de la Zyra, voilà, on voit ce poke incessant. Alors il reste quand même relativement bon en farm, hein. 2 creeps de retard, c'est pas trop grave, ouais, ça non, sera ça juste va, moins ouais, agressif. Mais c'est vrai que c'est. Alors il y en a qui placent de bons dégâts également sur la Lulu. C'est vrai que Lucien normalement est censé être un petit peu plus fort que Corki en early. Mais c'est vrai que ça dépend mal du support aussi, hein. Là Brome c'est un support un peu plus défensif. Zyra c'est du poke agressif assez voilà, violent quand même. Hein. Il y en a qui a plus de mana. On va voir si Lulu tente un truc ou pas. Plus de mana, oui, mais elle a quand même son Doran et va pouvoir se régénérer assez vite dans la mesure où elle la cite très bien. Puis le passif, surtout, qui facilite énormément ça. Exactement.
Ça va encore. Les deux junglers qui convergent tous les deux sur les camps près de la mid lane. Ouais, ouais. C'est pas mal, ils sont vraiment synchro, hein. C'est impressionnant. Ouais, franchement, là. On va voir, ça tente un petit gank sur la mid lane tant que rien n'a pas l'ulti. Ouais, donc ouais, effectivement, on peut notifier que le Volibear est lui parti. Donc il part pas sur une Feral Flare alors que Shyvana est parti sur le Razor de Madred. Donc sur une Feral Flare. Volibear qui pourrait partir sur un ancien golem, je pense. Ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu de tanking dès le début du game. Surtout que c'est quand même exclusivement des points de vie. Et du coup, on a un gank au top là. Le gank au top, le Volibear qui s'avance doucement sur le Darius. Il le chase, c'est un petit brain dans les bushs. Le Darius a toujours ses summoners. Il peut continuer. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Un contre deux, il doit revenir doucement. Le flash, évidemment. Le double flash. Joli le grab qui prend le kill sur le Darius. Volimir, tout à fait. Alors que le Volibear prend des gros dégâts également. Il n'a plus son passif. La Shyvana arrive derrière. Mais c'est le disengage. On a très bien joué la part du Volibear qui a réussi un petit peu à tempo la Shyvana là. On a eu peur un petit peu, mais bon, ça va. Elle était pas 6. Ouais, les bons dégâts collés sur le Yasuo, sur le Lucian, pardon. Ouais, heureusement que. Ouais, bon gang du Volibear hein, qui a attendu que le Darius push un petit peu. Ah, c'était très 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 bien joué, effectivement, le Darius qui aurait peut-être pas dû grab tout ça. C'était un petit peu compliqué de rester à 1 contre 2. Ouais, effectivement, on va voir comment ils vont s'organiser pour gank assez souvent parce que là, la top lane prend un petit peu l'avantage. Hein. Yasuo qui a un kill et une assist. Qui a même 10 de farm d'avance sur le Darius. Donc ça va être un peu compliqué, il va pouvoir snowball. Bah c'est le problème quand même du Darius. Si Darius c'est pas à son avantage en early, et ça je pense que les Justin Tibers le savent très bien. Sans l'early de Darius, c'est vraiment compliqué à revenir après. Bah, comme et pour l'instant, c'est vrai que la botlane arrive à tenir à peu près, donc pas trop besoin de les appuyer pour l'instant. Non, tout va bien. On va attendre, à mon avis, le level 6. C'est l'avantage d'un Braum contre une compo un petit peu poke agressive. C'est ouais, quand c'est même. Du sustain avec le Targon, puis surtout protéger, le wall. Ouais, voilà, la protection du wall voilà. Avec la réduction de dégâts, vraiment, c'est très 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 puissant. Et justement, contre un Corki, c'est vraiment pas mal le wall, parce que la Valkyrie qui pourrait être fatale est totalement empêchée. Remarque, gros dégâts sur le Braum, qui est forcé de reculer doucement. Ouais, non, là par contre, ils sont acculés sous leur tour. Mais je pense que Volibear va pas tarder à venir les aider là. Alors qu'il va passer 6, donc du coup le POG va être encore plus conséquent. Mais moi ça va, il y a quand même une bonne qualité de dépush avec Lucian. Non, c'est intéressant là. Orianna qui décale. Elle passe en ninja sur la lane là, c'est vraiment super bien joué. Il y a pas de ward. Si, il y a une ward dans le deuxième bush. Ouais, c'est pingé. Elle sait que la Lulu va prendre son bleu, elle arrive directement sur la bot lane. Il y a un coup à jouer, je pense. Pendant qu'en top lane, Darius et Yasuo se mettent quand même un petit peu sur la tronche. L'Ignite qui est claqué, le Darius qui est sous tour. Bien joué. Il s'en sort. Très bien joué de la part du Darius. Très là. Bien joué. Ah, il a stacké tous les saignements. Le Yasuo a dû se rendre compte de la menace, mais c'était trop tard. L'Ignite et l'ultime ont eu raison de notre ami Wazozoï. C'est vrai qu'il avait plus de creep pour dash. Là, c'est très bien joué de la part du Darius qui a réussi à reprendre l'avantage sur sa lane du coup. Et alors, il y en a qui a décalé malheureusement la bot lane des Justin Tibers qui est encore une fois acculé sous tour. C'était très très difficile de la gank. C'était compliqué. En tout cas, ça les laisse safe, ça les solutionne bien farmer. Ouais, bon, il a quand même un petit peu de retard par rapport au Corki, il y a 10 de farm, mais c'est pas grand chose. La Rihanna pouvait se le permettre avec 10 creeps de plus, là, elle peut vraiment se le permettre. Non, et puis Lulu faisait son bleu, sa lane était push, donc ça va, elle a pas perdu grand chose. Non, effectivement, c'est encore rattrapable. Alors que le Darius commence donc sa remontée progressive, on a quand même vu un bon travail du Volibear en backup pour le Yasuo. Et le Darius qui est directement parti sur une Giant Belt. Ouais, il a senti qu'il allait prendre un petit peu cher, il a senti que le Volibear campait un petit peu au top. Donc il se prend vraiment de la résistance, il veut pas risquer. Oui, il a un 2 là, il est pas super bien. Le Yasuo qui part un petit peu sur du sustain de lane, il est parti sur le début de son static shiv. Bah l'itemisation classique pour un Yasuo, ça reste static shiv et puis après l'âme infinie parce que le passif de Yasuo double ses coups critiques. Ah, et bon encore dégâts. Une fois, bon gros dégâts, claqué sur le Yasuo, les stacks sont dessus. Non, c'est dommage, le Q ne passe pas. Ah ouais, gros dégâts, ça y est, le Darius reprend, sauf que le Volibear arrive sur le Darius, la Shyvana est très très loin pour l'aider, le Darius n'a plus son flash, il peut plus se permettre, le l'ulti sur le bump, l'Ignite est clairement claqué dessus, gros dégâts, et voilà, le kill sur le Darius. Et donc ouais, le bump de Volibear qui passe bien sur l'ulti Yasuo. Ah, ça c'est très bien excellent, joué. Grosse synergie, ça c'est cool, la Shyvana, non, pas il de... Il va devoir tenir le top, ouais. Pas de rencontre, oui, apparemment ça... Je ne sais pas Volibear si ça va aller des wards et qui peut peut-être aller appuyer le mid, il va refaire un tour dans sa jungle. Bah sur le mid ça se passe pas trop mal, Orianna qui a un petit avantage de farm mais c'est pas grand chose. Les deux sont partis sur Doran et Kalis. Orianna a un petit avantage avec ses bots en plus mais c'est pas grand chose. Rien à notifier pour l'instant et pas encore de gank sur la mid lane pour l'instant. Non effectivement avec un léger décal sur la bot lane d'Orianna mais c'est tout, c'est vraiment la top lane
Cela dit, ils l'ont bien vu, hein, ils privilégient vraiment les deux early compliqués. S'ils mettent bien Yasuo, ça va être vraiment très compliqué hein, pour les Justin Tibers. Hein. Ah oui, oui, surtout que là-bas, c'est un petit peu ça aussi, la compo est forgée totalement sur l'ultime de Yasuo. Ouais. Oh, c'est dommage, des dégâts qui auraient pu être infligés davantage à la Lulu qui peut encore rester sur sa lane. Voilà, il se passe pas grand chose à part au top, c'est vrai qu'on se regarde un petit peu sa farm en bot lane, on attend vraiment les décals, on attend les premiers drakes et les premiers fights. Ouais, on peut notifier une petite avance du Corki. Ouais, une bonne avance même, 20 creep quand même. Alors il faut quand même noter que le Braum avec donc son Targon prend 12 creep au Lucian, donc techniquement il a les sous de 82 creep au lieu de 70. Et là, tu vois, Hackman, je fais des mathématiques. Ah, excellent, bien joué. Excellent, très très bien. Bien vu, bien vu. Bien vu. Le Volibear qui se redirige vers la top lane pendant que la Shyvana s'approprie la position du Drake. Le Volibear qui arrive. Oh, le flash du Volibear. Le ticket claqué. Le Darius a son flash, il peut se permettre. Il attend le Wazozoi peut-être. Non, il se dit qu'il peut s'en sortir sans. C'est dommage, le Grave qui est raté, ça aurait pu faire de très bons dégâts sur le Volibear. Il privilégie vraiment la top lane. Ce flash, ah bon, il était un peu. Ça peut-être permis de le finir, mais bon. Et du coup, voilà, bonne réaction en bot lane. On voit la Shyvana qui temporise et donc du coup qui prend le Drake. Tout à fait. On a vu que le Volibear campait le top. Premier Drake des Mez. Qu'on peut également. C'est très bien joué, on a une super bonne réaction. On a eu la vision direct, on a engagé le Drake. Rien n'a pas pu. Enfin, Lulu a pas pu décaler. Excuse-moi, petit éternuement. Éternuement de type discret. Et ouais, donc du coup, je pense que là, ça va être un petit peu mieux pour Lucian. Il va pouvoir surprendre un petit peu sur sa lane. Il va pouvoir tenter quelques engages, voir comment ça se passe. Et donc ouais, le Yasuo qui est parti. Donc ouais, il a réussi à se prendre des Berserker en plus avec un peu de farm. Ouh, ça va être intéressant effectivement. Et donc, attack speed. Et donc ouais, comme on disait, le Volibear donc qui a beaucoup moins farmé. Bon, en revanche, il a un kill et une assist, donc il a un peu plus gank. C'est ce qu'on avait prédit un petit peu, le Volibear qui lui est parti sur un Saint-Golem. Oh, les bons dégâts. Oh, la Zahira qui prend des gros dégâts. Implosion de la Zahira suite à l'ultime bombe. Le Corki qui arrive derrière le flash. Oh là là, la Valkyrie. Oh, non, le stun sous tour qui permet de prendre le kill sur le Corki. Très bien joué. Le passif de la Zahira qui manque d'un cheveu le Lucian. C'est très bien joué, le Braum qui a été ultra réactif sous tour. Waouh. Le Corki qui a fait un E offensif qui a pas réussi à passer le dernier auto. Il avait plus de Bertha, il avait plus rien. Oh là là, c'est très bien joué de la part du Braum qui a fait une bonne temporisation, qui a réussi à le prendre sous tour, à le slow. Oh là là, c'est très bien joué. Et du coup, ça prend un double kill sur la bot lane. Oh là là, ouais, super action là. Ah waouh, on commence à avoir un peu d'action. Ah là, c'est excellent là. Là vraiment, le Braum savait ce qu'il avait à faire, il a gardé son sang-froid. Et le deuxième blue qui est donné à Lulu. Shyvana qui est la starter au raid, donc le blue va pas tarder à respawn non plus. Effectivement, ah, on nous fait signe qu'apparemment les creeps pris par le Targon de Braum s'ajoute à celui au creepster pardon de Lucian. D'accord. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite, pas plus tard que maintenant. En fait, je sais pas si ouais. Effectivement. Donc je n'ai rien dit, bien donc, le TRL. Corki outfarm bien le Lucian. Un ange gardien de type viewer, très bien joué TRL. Très bien vu. Vraiment, c'est réincarné. Ah ouais, non, mais c'est dingue quoi. Vraiment, le stun sous tour, personne ne s'y attendait. C'était vraiment impressionnant. Donc, du coup, ça me fait rire des fois les gens qui disent tiens, on a DC quand tu joues avec le Targon. Non, mais laisse-moi les creeps. Si je suis full life, ça me régénera pas. Donc, je m'en fous. Puis ça va niquer mon creep score et tout. Donc, en fait, pas du tout. Eh bien, maintenant je le saurai, mais je joue très peu à DC. Il faut le savoir. Alors, c'est vrai. Autant pour moi. Et donc, au mid, ouais, on voit quand même Lorianna qui a un petit peu l'avantage du farm. Qui est parti sur une baguette trop grosse. Alors que Lulu tente de finir en premier son Graal impié. Je sais pas si elle prend juste le calice et elle part direct sur Rabadon, peut-être Lorianna, je sais pas ce que t'en penses. Je préfère quand même commencer par un Graal personnellement pour pouvoir mieux spam, mais c'est vrai que c'est. Il y a deux écoles avec Lorianna, encore une fois, il y a Lorianna, j'y vais comme une barbare, je prends le kill et je fais ma voix de bourre. Ou alors tout simplement partir sur un Graal pour pouvoir poke plusieurs fois et empêcher le mid laner adverse de pouvoir s'exposer en fight, parce que quand ton adversaire est mid life, il a vraiment peur de pouvoir entrer en combat, surtout contre Lorianna. C'est vrai que ça met vraiment la pression ce personnage. Et donc on a vu ouais, quand même le bot qui essaie de tenir tant bien qu'il peut avec le wall de Braum, les attaques incessantes de Corki et Zera, avec gros poke et grosse agressivité
Je me demande, non, je pense que l'ultime de Zyra n'est pas bloquée par celui de Braum, mais c'est Non, je pense pas. à contrario, celui d'Orianna l'est. Alors évidemment, ça qui est D'accord. intéressant, ça reste une zone, donc je ne sais pas. Voilà, il y a deux walls quand même. Ah, il y a ceux qui font quand même quelques dégâts, mine de rien. Bon, pas énormément par rapport à ce qu'il aurait dû. Le Volibear qui arrive Oh. directement sur le Darius. Il Il le. a plus de flash par Non, il contre. n'y a plus rien là, par contre, c'est. Mais c'est vrai que c'est vraiment du B8 là au top, D'ailleurs, hein, on le peut pauvre parler Darius. d'ailleurs, Volibear flash, c'est intéressant quand même. C'est vrai qu'il aurait pu prendre le Ghost. Le Ghost, bah, il y a deux écoles encore une fois, mais le Ghost Ouais. pourrait vraiment être plus intéressant. C'est vraiment sur la durée, c'est intéressant quand même. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de mobilité, la team des Mez. Donc prendre Ghost contre une team de mobilité, ça L'Ignite reste qui est compliqué. claqué sur le Darius. Le Volibear qui va. Oh, Oh, le le flash! flash out. Joli Shyvana qui arrive par Oh. derrière en backup. C'était un petit peu overreact, peut-être l'ultime. Le grab sur Ah, les le bons dégâts. Volibear. Volibear qui prend d'énormes dégâts. Le dunk! Joli! Le kill sur Volibear. Très bien joué là Ça par contre, termine le ouais. flash de Yasuo qui est Oh, forcé. le Le flash flash de également de Shyvana. Shyvana. Shyvana qui peut se permettre. Elle chase tout le tour. Double kill avec la morsure. Très bien Et joué. voilà, Shyvana qui a son fer à le faire et Et qui ça maintenant y roule est, sur tout le c'est monde. fini. Au Ça revoir. laisse la game GG Shyvana, Warriors casse. des bisous. C'est parti. Allez, pose le micro. Et ouais, là on a vu vraiment les très très bons dégâts de Shyvana qui a flash in pour récupérer le double kill. Ah, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle connaît vraiment ses limites, ses dégâts et elle y va quand c'est bon, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc Yasuo qui a maintenant son static shiv. Son first item, c'est bon. Maintenant passer sur la lame d'inf. Et en bas, ouais, quand même, malgré le kill, les deux kills qu'on a pris, il y a toujours une grosse domination hein, de Corki et de Zyra au niveau du poke. Mais d'un autre côté, voilà, si la botlane Lucian Braum arrive à jouer safe, même s'ils vont se faire avoir la tour à l'usure, ils vont pouvoir, bah, comme ils l'ont fait temporiser, ils ont même chopé deux kills, quoi. Donc c'est Et très bien oui, fait. et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois que la Shyvana a déjà le double presque du creep score de Volibear. En Ah passant ouais. la T1, première tour tombée de ce Et BO3. voilà, moi je trouve ça bien d'essayer de mettre Yasuo bien dans sa game, mais. Est-ce que ça aurait pas été bien d'essayer de gank un petit peu l'Orianna? Bon, je sais que c'est un perso assez safe, mais bon. Oh, l'ultime qui est claqué dans le vide, c'est dommage! La Lulu qui arrive derrière pour temporiser le Braum qui s'en sort avec très très peu de points de vie. L'exhaust L'exhaust claqué sur la Lulu qui continue avec le Volibear derrière, sur le Corki. Le Corki qui est totalement zoné, sauf que l'ulti de Zyra qui est contré, tu me diras, par l'ultime de Lulu et Shyvana qui entre dans la mêlée. Ah, le Volibear est pas bien, il a plus sa regen qui a été perdue contre le Darius, mais ça s'en sort grâce à l'intervention de Braum. Du Là, ils coup, savent pas qu'ils de peuvent pas casse. continuer. Pas de casse, juste la classe. Donc, du coup, est-ce que je sais pas si on a le timer du Drake. Je crois qu'il va pas tarder à respawn. Hein. Je sais pas s'ils l'ont timé ou pas. Je ne l'ai pas. C'est vrai qu'on aurait pu le prendre. C'était à 11-19. Donc, Donc du oui, coup, c'est ouais, c'est bientôt. bientôt. C'est bientôt. Un peu moins d'une minute là. Donc, du coup, ils vont le préparer tranquillement. Je pense que, effectivement, les Mez sont plus en position de le faire maintenant. Et voilà, ça va respawn. Donc, du coup, ça va être. Est-ce que oui, c'est eux qui l'ont pris tout à l'heure? Non, pas de conteste possible à mon avis pour les Justin Tibers. Ils le savent, deuxième Drake pris par les WoW. Enfin, les Mez. Oh les, Oh là, oui. Oh, les Winds of Chaos, c'était pas ce Ça nous a match-là marqué, hein, ça effectivement. nous a Ah, ça nous a marqué. marqué, je me rappelle avoir hurlé très fortement, très prestement. Et donc du coup, on va partir sur tous les deux, ouais, les Corki comme Lucian sur une BT first. Alors, on n'a pas toujours pas de bot sur Corki. Bon, tu me diras, il a assez de mobilité et il peut spam d'assez loin. Donc je pense que c'est une idée hein, de devoir faire sa BT en first sans passer par les bots. C'est useless les bots, on est d'accord. Non, 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 les bots c'est essentiel, sauf quand elles sont trop petites, n'est-ce pas? Bon, Bien vu. Effectivement, Darius qui part donc beaucoup plus résistant et safe que la dernière fois avec l'agression totale d'un Darius très très agressif. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant de voir entre Lucian et Corki, c'est que voilà, ils partent entre guillemets sur le même stuff, hein, Bloodthirster plus Trinité. Donc ce sera entre guillemets deux personnes qui doivent se jouer un petit peu pareil, si on parle du principe du stuff. Mais pas du tout, c'est-à-dire que Corki a besoin qu'il n'y ait pas de creep pour qu'il puisse placer ses Bertha, alors que Lucian doit se servir justement des creeps pour poke. Donc Exactement. c'est là qu'on voit la différence entre les deux persos. Tout à fait, puis d'autant plus que le Corki n'a pas nécessairement besoin de stack la BT dans la mesure où c'est vraiment la Bertha qui va faire ses gros C'est ça. dégâts, alors que Lucian, bah, finalement, c'est toutes ses compétences à la fois et c'est là qu'il a besoin vraiment Mais de il va plus falloir bien d'années farm. Donc Shyvana qui part sur une BOTRK. Darius aussi d'ailleurs. Darius qui part sur une BOTRK. C'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant. Ah, plus de chase, Oh, plus le de bouc. ning. La Shyvana qui est toute seule contre 4 personnes. Oh, l'ultime qui permet de s'enfuir. Là, Lulu qui arrive derrière le Kuling qui fait des gros Oh. dégâts. Le shield qui permettra peut-être la survie. Bien joué de l'autre côté. Le Volibear qui a tenté de se rapprocher. La Zyra, la snare grâce à son Q, son E, pardon. Ah, très bien joué de la part de Rana qui a réussi à shield au dernier moment. Oh, La la Shyvana. Shyvana a jump max range à travers le mur. C'était très très Alors, très est-ce qu'elle a eu risqué. le Elle bleu? aurait Je pu crois pas. glisser Hein. des plumes. Je crois pas qu'elle a eu le bleu. Hein. Non, ouais. Absolument pas, elle ne l'a Donc c'est Volibear pas qui... eu. Ah, Non, c'est c'est Lucian qui l'a Lucian qui chopé l'a eu. là-bas. Ouais, c'était un secure de bleu. Écoute, c'est pas plus mal. On se Ah ouais. rappelle de la Shyvana qui avait absolument secure tous Ah oui, les non blue mais là, buffs j'étais dans la jungle contre H24, quoi, c'est... contre les Armas, si je me C'est ça, c'est souviens la bien. dernière game qu'on a commenté. Et du coup, ça se regroupe au mid pour pouvoir push, là.
Attention, il y a la 2 au top lane là pour le Darius. Oh, 3 free coups de tourelle sur la Zaira, c'est quand même compliqué. Donc, du coup, le Darius qui tient quand même le Volibear et l'Yasuo au top. Volibear qui va partir sur son red buff. Ouais, pour moi, ça va être compliqué. C'est bon, un petit peu on arrive avant une minute de jeu, on a toujours pas fait de. Point gold. C'est parti, je veux bien que tu me mettes. Laisse-moi le temps d'activer cette touche. Mais je pense que ce pangol ne va pas être très de courte durée, ça ne veut rien dire, puisque Darius se fait catch dans la jungle adverse. Il met des gros dégâts sur le nounours. Je pense qu'il va essayer de le trade kill pour finir. Oui, c'est une réussite. C'est bien joué. Il est quand même relativement tanky. C'était difficile pour le Volibear. Tu peux reprendre. Le buff qui est repris par Yasuo. Et donc on va reprendre un petit peu. Donc on va voir un petit peu la différence. En top lane, ouais, Darius qui a le farm, c'est à peu près égal. Les gold aussi. Au niveau de la jungle, donc Sivana. Impressionnant, on a Shyvana qui a 7k gold et 7400k gold. Non, attends. 7k gold et 400. 7k gold, 4. Voilà, c'est ça. Alors que Volibear en a. Voilà, Shyvana qui est juste derrière entre les deux tours. Non, c'était quand même risqué. L'exhaust qui passe, le flash également. Non, c'est la fin pour Shyvana. Shyvana a tenté un zoning, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah ouais, il y a beaucoup d'action là encore. Elle a vu les gros dégâts placés sur le Lucian, mais ça n'aura pas suffi. C'était un peu ballsy, hein. Dessus, c'était très ballsy. Il y a sa push le mid tranquillement. Il y a le retour de Volibear. Tu ne reprendras jamais ce point gold. C'est parfait. Ah, c'est vrai qu'on voit entre guillemets un petit peu pour l'instant l'avantage. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même plus de kills côté. Qui va peut-être. Non, le flash forcé sur la Zaira. Il se passe rien, tout va bien. Bah, tout va bien. Un flash quand même. C'est quand même un flash sur la Zaira. C'est puissant. Et donc, ce qu'on peut considérer quand même, c'est que les kills sont à l'avantage des Mez. Non, pardon. Non, le kill est à. Je reprends. Le kill est à l'avantage des Justin Tiber. Cependant, les Mez ont quand même 4k gold d'avance. Exactement, je te remercie. Y'a pas de soucis, ça arrive, prends un chewing-gum, ennemi. Oui. Tout à fait. L'Orianna qui est toute seule contre le Volibear, c'est très risqué, peut-être. Non, ça va, non, il tente pas. Il sait que sa team est prête. Ah là ça collait des finalement, dégâts. C'est l'Orianna qui chase doucement, hein. Ah ouais, effectivement, hein. Volibear qui veut prendre la pink ward. Il la veut. C'est obligé, lui. L'ultime d'Orianna. Oh là 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 là, bien joué, le bait du Volibear, le heal qui lui permet de s'en sortir. Mais il flash out, c'est très 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 dommage. Oh, Wurst. Je pense que là le duel pour la pink ward était quand même assez. C'était Wurf. Oh, gros dégâts placés sur Yasuo. Il sait qu'il doit pas continuer sous tour, quoique il aurait quand même eu des dégâts suffisants. Le flash, double flash en top lane. Le Darius qui prend les dégâts. Oh, l'ultime. Les dégâts de Darius. Les dégâts de Darius sur un full stack contre le Yasuo. Et là, on en parle du mid game qui commence vraiment à faire très très mal pour Darius là. Oh là là, Yasuo qui commence vraiment à prendre la sauce là. Il prend la Zizou effectivement. C'est quand même risqué. Il s'est fait déconner. Déconner. Ah ouais, non, là c'était vraiment très très dur pour le Yasuo. Bah c'est le problème du mid game de Darius, très 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 violent. Il a besoin de résistance pour lui résister. Qu'on pourrait dire. Je ne sais pas. Mais là on voit du coup, c'est vrai que les gold, s'il y a une différence de gold, c'est même pas là pour les kills, c'est vraiment la prise d'objectif. On voit les mecs qui sont beaucoup plus sur les objectifs. Bah, deux tours à on zéro. A une ouais, deux tours à zéro exactement. Ouais, c'est ça. Et bientôt 3 au vu de la vie de la T1000. Ah, ouais. Ouais, ils sont plus concentrés sur les objectifs, sur le farm. Et du coup, ouais, la botlane qui a réussi à farm tranquillou, le Corki qui est quand même à 181 de farm à 23 minutes, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. À savoir que Corki c'est pas non plus le plus opti. Quoique, si tu me diras, avec sa Gatling, disons qu'il y a quand même mieux une Caitlyn. Ouais, pour farmer, il y a quand même pour mieux. Pour ne citer qu'elle. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal contre un Lucian de lui mettre 20 creep. C'est intéressant. Et on a vu le late game qui va quand même être un peu plus à l'avantage donc des Mez. Donc encore une fois, c'est un peu compliqué là pour les Justin Tibers. Il va falloir réagir, essayer de cash et de revenir un petit peu dans ce game au niveau des golds, être un peu plus sur les objectifs. Donc on va voir comment ils arrivent à gérer ça. C'est le troisième Drake pour les Mez qui est engagé. Voilà. Et en mid lane, non. Ils peuvent pas le contester. Des calls ont été appelés. Oui, du coup, c'est un... Des calls ont été appelés. Oui, ah, oui, on peut le dire. On peut le dire. Calls ont été faits, on peut en parler, je pense. Et oui, un troisième Drake, grosse prise des objectifs. Les Mez. Là voilà, encore une fois, c'est vraiment la Shyvana de caisse qui a vraiment posé beaucoup de problèmes, alors que le Volibear bah est pas si bien que ça dans sa game en fait. Hein. Non, effectivement, c'est le problème aussi du tank en top lane, c'est qu'au bout d'un moment, bah c'était que pour Yasuo. Alors d'un autre côté, c'est normal puisqu'ils soignaient vraiment le point culminant de leur stratégie qui est quand même ouais, basé sur du bump. Ils soignaient le petit chouchou pour maintenant, vraiment maintenant il va falloir forcer les teamfights et faire que ce soit rentable parce que s'ils arrivent pas à protéger entre guillemets le Yasuo, ça va être compliqué. À la limite, le Yasuo à 4-3-1, c'est pas non plus un échec, tu vois. Ah non, clairement, il est bien, hein, il a un farm pas trop mal, franchement, il est bien. La différence, c'est que voilà, le Volibear va juste être un tank avec une Shyvana en face qui a quand même. Excuse-moi. Mais il est quand même Botterka et Feralfer, je te replante. Passagère, le double du farm de Volibear.
Mais ouais, à mon avis, c'est compliqué parce que bon, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est pas non plus d'ignorer la Shyvana, mais de moins la focus. L'ultime de Braum. L'ultime de Braum claqué un petit peu. Ça a essayé de cache l'Orianna. C'est un petit peu dommage. Alors quand que Yasuo n'est pas là. Ah, gros zoning, les jolis speed quand même. Gros dégâts sur la Zara. Gros dégâts sur la Zara qui va tomber. La Shyvana qui ulti derrière, l'ulti d'Orianna. Gros dégâts sur la Lulu qui va tomber grâce au passif de Zaira. Le Volibear qui s'en sort avec très peu de points de vie. Son passif est claqué mais il est encore dans la mêlée. Le Braum qui temporise et qui flash. Et pendant ce temps, le Braum tombe grâce au dot sur le raid. La Shyvana qui va tenter quelque chose. Oh, joli. Le Yasuo qui est bien géré. Peut-être un ignite. Oh, la Valkyrie qui n'est pas passée loin du Yasuo là. Orianna peut totalement chase. Yasuo qui a décrit pour s'escape. Oui, mais le corps qui arrive par derrière une auto-attaque et c'est la fin des deux côtés. Là, il sait que c'est fini. Il va tenter quelque chose mais non. Oh, le shield qui. Oh, gros dégâts placés sur le Corki. Oh, c'était impressionnant. C'était à tenter. Hein. C'était à tenter. C'est vrai qu'il y a des énormes dégâts, plus son shield qui temporise. Et la T1 des Mez qui passe. Est-ce que tu as remarqué quand même le Darius déjà à la T3? Non, mais il n'y a plus de respect au top là. Plus de respect, le permapush, il sait que plus rien ne peut l'arrêter en 1 contre 1. Attends, il y a Tribotérica donc il peut se permettre de split push. Waouh. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça worse hein, quand même de vraiment mettre beaucoup de dégâts sur la Zaira. La Shyvana est arrivée, combinée avec l'ulti d'Orianna, et vraiment ça a fait le café. Hein. Ah, ça je pense qu'ils doivent un peu plus se focaliser justement sur l'Orianna qui est quand même à 2-0 là. Sur l'Orianna et sur le Corki surtout. Hein. Orianna à 2-0 avec presque 40 crits de plus, c'est vrai que. Voilà, toujours pas fini son Graal, mais ça devrait venir. Je pense. Ah là, elle le commence, hein. Je pense qu'un tome de publication partira sur un codex mythique, donc un Graal. Hein. Ouais. Pour moi, c'est évident parce qu'en late game, quand tu fais du 600-700 avec ton simple combo, ouais. La réduction de cooldown, ça va vraiment être nécessaire parce que tu peux le. Elle a juste pris le Kélis, à mon avis, pour sa régène de mana pour pouvoir tenir la Lulu. Oui, plus un petit peu de résistance. C'est vrai que c'est pas con de pas l'avoir fini tout de suite. Oh, le Darius qui trappe totalement le Yasuo. La BRK est claquée dessus, le grab derrière, il n'a aucune chance de s'en sortir. Il n'a plus de flash, c'est la fin. Oh là là là, il mais toute la team est derrière pour contrer. Il a encore son ultime, il faut le dire. Darius, le stun claqué dessus. Il va tenter des choses. Et du coup, il tempo, hein, faut regarder il au mid là. Ignite claqué sur le Volibear pour l'empêcher d'avoir son passif. Mais non, c'est quand même la fin. Et oui, pendant ce temps-là, la blue team qui a réussi, donc les Mez qui ont réussi à prendre la tourelle au mid pendant que Darius a amené 4 personnes sur lui. Gros dégâts également placé sur Volibear. L'ultime de Lulu qui permet de temporiser la Zera qui est toute seule dans la mêlée. Le Corki qui arrive derrière pour tenter de prendre le trade kill. Level Kiri qui laisse le Volibear à très peu de vie. Oh la Shyvana, l'ultime à travers le mur. L'Orianna qui finit son ultime sur le Braum. Le Corki qui est totalement dans la mêlée. Le heal qui permet. Oh, le flash, joli, le flash de Lulu qui permet de s'enfuir avec très peu de points de vie. C'est bien joué, beaucoup de mobilité. Et encore une fois, ils sont un peu trop split là du coup. Les Justin Tibers, ils sont venus à 4 sur le Darius pendant ce temps-là. Ça a push la tourelle au mid. Et là, il y a encore eu le super engage hein, de Shyvana avec l'ulti d'Orianna. Excellent, ça excellent. Tellement beaucoup de dégâts. On sort le ban à la prochaine game hein, ou le pick directement. Et voilà, ça prend l'inhib, première inhib donc de cette finale. Côté stuff, le Yasuo qui a fini son corps item. Ça a voulu sur Rend apparemment. Ça a voulu sur Rend. Le corps item statique Infinity Edge. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces deux lui procurent 45% de chance de critique. Et le passif de Yasuo lui permet de doubler ses critiques. Et là, Zaira qui prend très cher contre le Nashor. Hein, encore un coup, elle tombe. Et c'est un petit peu risqué de rester là. Le Nashor qui est engagé, heureusement, le shield de l'Orianna, c'est très risqué. Le dot et l'attaque de zone du Nashor pour le finir. Qui va être récupéré. C'est le Nashor. Pour la blue team qui n'est autre que back. Les Menia et à Zeblo. On a un petit temps libre, est-ce qu'on va essayer de faire un petit point sur le stuff. Flash du Darius qui veut vraiment du mal. Ah ouais non. Oh là là, il a arrêté de bouger. Ah, c'est ouf, le Darius lui roule dessus. Il est parti sur un last whisper, oh là, il fait tellement de dégâts maintenant. Le Darius est vraiment parti il a vu que Volibear stackait un petit peu d'armure. C'était très risqué de la part du Yasuo de partir directement sur son corps item sans prendre de résistance. Là vraiment c'était c'est un peu dommage. Il va encore en plus sur une Berkay alors qu'il pourrait peut-être partir sur un Randuin. Au moins Randuin ça pourrait être intéressant. Parce que là ils prennent vraiment trop cher, maintenant ils ont le Nashor, ça va être compliqué. Bah surtout que le Darius a vraiment de lifesteal, c'était vraiment. Et là au niveau des golds ça commence à faire beaucoup d'écart, on a quand même 15k gold là d'écart entre les deux teams. Gros avantage pour les Mez. C'est digne d'un. Point gold. Je m'y attendais pas. Excellent. Et en top lane, là on voit quand même l'écart qui est creusé. Il y a 2k gold d'avance pour le Darius. En jungle, c'est le plus important. Il y a quand même 12k gold pour la Shyvana. Alors qu'on a que 7k gold sur le Volibear. Oui, Volibear vraiment, un peu plus présent en lane. Le Braum dans la mêlée. Non, c'est le Darius, autant pour moi. J'ai confondu. Il manquait un stack sur le Darius. Il va essayer de le cliquer. Non, c'est trop risqué. Oh, le Volibear qui fonce. Non. C'est pas le moment, Volibear. Et là, clairement, il peut même plus turtle. Je veux dire, il y a 2 inhib à nu là. Il y en a un qui a été pris déjà. Donc ils vont tenter le split push, on a dit Darius qui va aller, il va essayer d'attirer un petit peu toute la team sur lui. Il sait que Yasuo n'arrive pas à le prendre en 1v1 et du coup ça va laisser la liberté aux autres, donc Mez de pouvoir entre guillemets push cette inhibomine. D'ailleurs la clé de bot qui tombe au profit des Justin Tibers.
Et ouais, c'est dommage, on voit vraiment là, ils arrivent pas à revenir dans la game, hein, les Justin Tibers. Et le quatrième Drake qui est récupéré par la Shyvana, tout juste seul. Par la Shyvana, ouais, voilà. grosse notion d'objectif là, vraiment, la Shyvana est vraiment au point là-dessus. Là, si la Shyvana est pas bonne à la prochaine game, je comprends pas. Hein. Elle influence tellement dans les games, c'est impressionnant. Elle arrive à zone vraiment 4 personnes en même temps. Et là aussi le Darius qui fait vraiment un bon taf, hein, il faut le souligner. Bah, Darius qui est assez résistant, qui fait d'énormes dégâts sur à peu près n'importe quoi, même le Bolivier, on l'a bien vu tout à l'heure. Hein. L'ultime d'Orena directement claqué sur le Lucien qui s'en sort à l'extrémiste avec quelques 100 points de vie. De l'autre côté, la Lulu qui tape pour Yannex, l'ultime, mais ça ne fonctionnera pas. Gros dégâts du Darius. Ouais, il y a eu un bon shot de Lucien qui a un petit peu temporisé, mais. Justin Tibers qui va tomber. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est peut-être la game là-dessus. Gros dégâts de Darius. Oh là 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 là. Darius qui ne fera qu'une bouchée du Brom qui est pourtant hyper résistant. Le map. Troisième ultime. Troisième dunk. Quatrième dunk. C'est le quatrième dunk. Triple kill du Darius. C'est la fin. Première game gagnée par les Meniet Azeblo. Bien joué. Bravo. Très bien. Quel game. Il y a vraiment une domination vraiment de Darius sur la top lane là. Il s'est fait camp et c'est lui qui arrive à la fin de nos respects, qui met 3 dunks, il n'y a aucun problème quoi. Ah mais l'itemisation c'est vraiment dommage pour le Yasuo quoi, c'est vraiment Bah en même temps il a pas trop le choix, hein. C'est quand même une grosse source de dégâts et c'est pour moi c'est bon, c'est pas, c'est un peu la faute de tout le monde, je veux dire voilà, mais le Volibear qui a peut-être trop camp le top, hein, pour au final qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats, c'est un peu dommage. Et vraiment peut-être mettre le Yasuo au mid et la Lulu au top aurait été vraiment plus intéressant pour moi. Et là c'était intéressant parce qu'encore la Shyvana a vraiment eu sa place pour les objectifs. Cependant en teamfight c'était vraiment pas elle la vedette, la grosse vedette de ce teamfight c'était Darius. Ouais, et ouais. C'est ce que je disais effectivement, Darius quand il entre dans un teamfight il doit le finir. Et bah là c'est vraiment ce qu'il a fait, il a réussi oh là là. À être dans presque... Et pourtant au niveau des kills ça se serrait, hein, jusqu'au 15-20 minutes ça se serrait. Et vraiment c'est des objectifs et ça amassait vraiment beaucoup de gold. Ils ont vraiment pu snowball leur lane et il n'y avait plus beaucoup de quoi, ils n'avaient pas de quoi répondre quoi, les Justin Tibers. Exactement, il y avait même un petit avantage au kill au niveau des Justin Tibers, mais c'est vrai qu'à la fin la Shyvana a vraiment fait d'excellentes engage. Les dégâts ont été vraiment appliqués par le Darius. Alors du coup je sais pas comment ça se passe, est-ce que comme on est en BO3 on prend une interview à chaque game ou est-ce qu'on fera une interview à la fin? Alkman, qu'est-ce que tu en penses toi qui es notre régie? C'est du morse, ça veut dire pas du tout. Timmy. Ouais, non, mais non, on fera les interviews à la fin pour ne pas, okay. pour ne pas les perturber. Ils sont à fond concentrés, oui, ils doivent essayer peut-être revoir leur strat. On débattra de la game, enfin, des trois games. Éviter de s'immiscer. Nous sommes sur la finale du tournoi pour tous. Reportage. Il a 18 ans et participe au tournoi pour tous. Bon, je... C'est un petit pétage de cap depuis, oui. Capital. Ah, mais ce Darius a vraiment été excellent. Il s'est vraiment pas débiné, même pendant des ganks à 1 contre 2. Quand il savait que c'était fini, d'une part, il utilisait pas son flash et d'autre part, il mettait le maximum possible de dégâts mais sur ses opposants. C'est vraiment ouf comment il a réussi quand même en 1v2. Enfin, c'est simple, c'est sa lane, c'était pas du 1v1, c'était du 1v2. Il y avait le Volibear qui campait tout le temps. Il a réussi à finir à 9-5. Enfin, c'est quand même impressionnant. Il a vraiment très très bien joué. Il a bien géré, il a bien bait et il a pas trop. Il a souffert autant, honnêtement, mais il a pas trop feed. Et ça lui a permis d'être bien dans la game au final. Ouais, non, Nelio Chan vraiment excellent là-dessus. Ça fait plaisir à voir. Hein. Ouais, ouais. Donc, oui, comme on disait, c'est vrai qu'en early, c'est peut-être plus stuff tanky, bah, justement pour contrer ce vis-à-vis à 2 contre 1. Ouais, il a fait Cap Solaire first. Hein. Cap Solaire first, on ne doit pas l'oublier. Mais quand il a vu qu'en 1 contre 1, c'était vraiment trop. Bah, il a pris la BRK. Hein. Direct BRK. BRK dernier souffle, et voilà, ça commence à faire des dégâts. Quoi. Il a fait bim bim comme ça, c'est parti. Quoi. Et vraiment, ouais, c'était impressionnant de voir les dégâts qu'il posait à n'importe qui. Même le Volibear qui a tenté de le trade au bout d'un moment dans sa propre jungle, s'est fait imploser. C'est dommage parce qu'ils avaient quand même une team un petit peu pour counter. Et Yasuo, on a pas vu un seul vraiment combo comme on disait, un Volibear avec l'ulti de Lulu plus Yasuo. En early, on a vu, mais juste avec le A de Volibear, je veux dire, on a pas eu vraiment team fight en fait au final. Bah, disons qu'on c'est sentait tout en split. Voilà, on sentait vraiment que c'était la strat principale d'avoir un Yasuo qui peut ultime sur 3-4 ouais, personnes. Voilà. Et je pense qu'au mid, ça aurait été plus intéressant. Intéressant, pas intéressant. Intéressant, ouais. Intéressant. Si, ouais. Si, je pense aussi. D'accord. Non, ouais, là, franchement, du très beau jeu. On espère voir une réponse immédiate des Justin Tibers. On espère les voir sur leur compo déjà. On espère avoir encore 2 games. Hein. On imagine quelques bans. Bah, ouais, je sais pas si ça va encore reban la Morgana et la Elise. Du coup, je sais pas, ça va peut-être faire polémique un peu ou quoi, mais c'est vrai que ça aurait été. Je sais pas si avec l'autre compo, t'aurais pas eu peut-être un petit favori avec la Morgana et la Elise. On n'a pas, y a pas à prouver la puissance de cette composition qu'ils ont fait sur les 2 dernières games. Donc pour moi bon voilà ça arrive, hein, y a eu un petit bug ou quoi. Après les mains ont vraiment été supérieurs au niveau du team play, ça jouait mieux.
Ils ont réussi à split un petit peu autour du Darius. Le Darius a réussi à attirer beaucoup de personnes. Et pendant ce temps-là, bah, le reste de la team déroulait son jeu, quoi. Oui, non, non, c'est clair. J'espère également qu'il y aura 3 matchs. Franchement, honnêtement, j'espère une énorme remontée des Justin Tiber. Ce serait vraiment une soirée de dingue. Et ça me ferait hurler. Moi, j'espère pouvoir hurler ce soir comme je l'ai fait hier. Oui. Avec vraiment des remontées. Mais tout à l'heure, c'était dingue. Vraiment, l'action coordonnée de la botlane des Justin Tibers avec le Corki qui fonce sous la tour et le stun, vraiment, c'est waouh, c'était impressionnant. C'est vrai que le Brom a vraiment très bien joué. Hein. Il a réussi à choper une Bertha grâce à son wall. Et ensuite, il lui a mis des bons dégâts et sous la tour, ça a réussi à le finir. Le Lucien qui est un peu châté, mais franchement, c'était très bien joué. Non, franchement, excellent, excellent, excellent. Et oui, il y a eu pas mal de survie de Lucian à quelques moments, notamment en late game avec l'ulti d'Orianna et le combo qu'il a laissé à 50 points de vie. Donc on va voir comment ils vont s'organiser un petit peu pour contrer un petit peu cette composition qu'on voit au fur et à mesure du tournoi, basée autour des teamfights avec Shyvana en première ligne et derrière une Orianna qui permet de linker les ultis. On va voir comment ils vont essayer de contrer ce combo, s'ils vont essayer peut-être de ban. On va voir comment ça va se passer. Je vois bien un ban de Shyvana là. Oui, je pense que là c'est un peu inévitable. Une prise d'objectif vraiment intense et intensive. À part s'ils arrivent à la first pick, hein, je sais pas si on connaît pas trop les gens. On n'a pas vu de Shyvana, je crois, encore du côté de Justin Tibers, si je m'abuse. Peut-être qu'il y a eu une fois au top, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Apparemment, le swap de la Lulu aurait été envisagé. Merci à Tyrell qui est notre reporter sur le chat, en direct des quartiers du chat. D'accord. Avec un camp top, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on voit le swap aurait été plus utile. Enfin, le Yasuo qui aurait pu venir aider à la botlane, ça aurait été sympa, je pense. Il y avait le Brom qui pouvait ulti, il y avait de quoi faire des bonnes synergies. Et le problème, c'est qu'au top, il a réussi à bien la mettre au Darius au début avec le camp de Volibear. Mais voilà, Darius après, il a réussi à prendre le dessus. Il a stack de l'armor et voilà, quand tu stack de l'armor contre un Yasuo, En early, c'est vrai que c'est puissant. On va faire une toute petite pause d'une petite minute histoire de se réhydrater car j'ai beaucoup perdu en larmes, oui, c'est plus poétique, c'est beaucoup plus poétique. On se retrouve dans une petite minute, à tout de suite. À tout de suite.